Chapitre 3. À son cours, capitaine, son supérieur lui adressa un signe de tête et Pratzamedès reporta son attention sur la console d'Olure. À son cours, trois mots, froids et détachés, qui ne rendaient nullement compte de la clameur et du chaos du combat, des décisions vétales prises en une fraction de seconde, du grondement et du flambement des armes qui semaient la mort. Pratzamedès était un vétéran selon les standards de la croisade Indomitus. Il avait vu l'ennemi de près comme de loin et en dépit des propos d'Astyllus au sujet de son tempérament, il était un commandant de terrain compétent. Si le capitaine ne dirigeait pas cette mission, la responsabilité devrait en toute légitimité en revenir à Prasamedès. Il savait que l'accomplissement de son devoir ne se mesurait pas à ses actes de bravoure. Le seigneur Primarque était réputé, non seulement pour ses capacités physiques supérieures, mais également pour ses prouesses stratégiques et politiques. Le Codex Astartes enseignait que l'intelligence était une arme aussi redoutable que le bolter. Si Prasamedès désirait tant prendre part au combat, était-ce parce qu'il était lui-même coupable de l'orgueil dont il accusait Nemétus? Son désir de gloire était-il la raison pour laquelle il se sentait méprisé dans la fonction qu'il occupait au sein du stratégium? Lieutenant, devrions-nous recalibrer les bandes de senseurs pour scanner la nouvelle zone de combat? La question de l'officier de pont prit Prasamedès par surprise et il regarda le roi pendant plusieurs secondes avant de répondre. Non. Une fois qu'il aura délimité son périmètre, le lieutenant Nemétius déploiera ses incurseurs. L'ospect intégré à leur armure est plus précis et plus sensible que nos scanners à longue portée. Rien à signaler en provenance du nuage de débris? Rien de nouveau, lieutenant. Un rayonnement de fond et les traînées de plasma des escorteurs ennemis, répondit le roc avant de hausser les épaules. Rien d'autre que de la roche, du gaz et de la poussière. Rien d'autre. Prasamedès congédia le roc, mais ne put s'empêcher de faire apparaître le dernier balayage d'Olure sur l'écran de son terminal. Tout en parcourant les données, il activa le vote de commandement pour écouter la progression de Nemétus. La rapidité. La rapidité était l'arme la plus mortelle. Une protection plus efficace que n'importe quelle armure contre la défaite. Pas simplement la rapidité physique, mais si les Space Marines sous le commandement de Nemétus combattaient avec des réflexes fulgurants, taillant en pièces la bande de traîtres désorganisés qui tentaient de défendre la brèche pour les empêcher d'entrer. Pas simplement la rapidité de pensée. Nemétus et ses hommes s'adaptèrent au changement de situation plus rapidement que n'importe quel cogitateur, sélectionnant les cibles prioritaires et ouvrant le feu avec une redoutable efficacité. C'était ces deux choses, combinées à la rapidité de leurs intentions, le choc brutal de leur assaut et la détermination implacable de son exécution, faisaient des Ultramarines une force irrésistible. Il n'y avait jamais de moment d'hésitation ni de pas en arrière. Le brouillard d'un champ de force scintillait en travers de l'ouverture, suffisant pour maintenir une atmosphère, mais pas pour bloquer le passage des Space Marines. Des arcs d'électricité crépitèrent en grondant à la surface du bouclier tempête lorsqu'il passa à travers, et ce fut tout. À la seconde où son pied prit appui sur la passerelle détruite, Nemesius ouvrit le feu, incinérant avec son pistolet à plasma la tête et le torse d'un défenseur. Dans le flash azur de la détonation, il évalua la dangerosité et la composition de la force qui lui faisait face. Ils étaient vêtus de simples tuniques, à la façon des adeptes de l'Imperium. Ils ne portaient pas de livrées unifiées ou de symboles d'allégeance. Un mélange d'hommes et de femmes, allant de l'adolescence à l'âge mûr, celui sur lequel l'avait tiré instinctivement était un homme, qui, s'il avait vécu sur Terra, aurait pu avoir une vingtaine d'années. Ils avaient des bottes ferrées aux pieds, et certains d'entre eux portaient des pédants de travail. Dans le bref instant où ils reculèrent face à l'éclat aveuglant de son tir de plasma, Nemétius repéra des pistolets et des fusils standards, quelques fusils laser et une poignée de fusils à pompe. Une milice. Mieux équipé que nombre de membres des forces de défense planétaire que Nemétius avait pu voir, mais ne constituant pas un réel danger pour des Space Marines. Vraisemblablement des conscrits recrutés lors d'invasions ou des ouvriers capturés lors de raids sur d'autres vaisseaux. À moins que certains d'entre eux ne soient nés ici, fruits de générations d'esclaves élevés à bord du croiseur ennemi. Des bolts sifflèrent devant lui dans des éclairs de lumière, leur agent propulsif révélant des visages effrayés, mais également déterminés, avant d'être remplacés par des expressions de douleur et de surprise quand les obus à masse réactive atteignirent leur cible. Il s'élança en avant, audace était mérité l'encadrant. Le passage était assez large pour permettre à six Space Marines d'avancer de front. Il tira à nouveau et vaporisa la chair de notre renégat tandis que les bolts de ses compagnons arrachaient des membres, ouvraient des cratères dans des cages thoraciques et faisaient exploser des crânes. En se rapprochant, il vit que tout leur ennemi n'était pas entièrement humain. Il aperçut des plumes, des reflets d'écailles et des visages blafards au teint grossier. Des doigts aux phalanges surnuméraires agrippés des armes, des queues dépassées dessous des tuniques. Des mutants. Purgez les corrompus, rugit Nemétus, en gainant son pistolet et tirant son épée dans les derniers mètres avant de parvenir au contact. Purgez, tonnèrent ses frères en retour, leurs mots presque étouffés par le grondement naissant des épées tronçonneuses et des détonations de bolts. Les deux escouades d'assaut percutèrent le massif de mutants tels les dents d'une de leurs épées tronçonneuses. Ils ne ralentirent pas une seule seconde et plongèrent dans une mêlée sanglante de lames tourbillonnantes et de tirs à bout portant. Un fusil à pompe détonna à côté de Nemétus et son bouclier tempête flamboya en retour. Il donna un coup de bouclier vers l'avant et l'impact projeta son agresseur dans le mur. Ses os pulvérisés. S'engouffrant sans s'arrêter dans la brèche qu'il venait d'ouvrir, il frappa l'ennemi suivant d'un coup d'épée.
Sa lame étincelante trancha une femme aux yeux de serpent de l'estomac à la gorge. Ceux qui n'étaient pas lacérés par les épées tronçonneuses des intercesseurs finirent s'épiétiner, le crâne broyé et le corps réduit à l'état de pulpe sanglante par la masse des guerriers qui chargeaient à travers leurs rangs. Tuez-les tous, pensa le lieutenant. Morta et Tremis. Quelques-uns parvinrent à faire demi-tour et à s'enfuir, mais ils ne firent pas plus de quelques pas avant d'être hachés par une nouvelle salve de pistolets bolter. Sécurisez la jonction, aboya Nemetus en s'arrêtant. Les Space Marines derrière lui le dépassèrent et ralentirent, puis s'avancèrent, armes levées, jusqu'à l'extrémité du passage, leurs projecteurs d'armure tranchant l'obscurité. Admonus le rejoignit, tournant la tête de gauche à droite pour inspecter les restes brisés des mutants à la recherche d'un signe de vie hérétique. Nemetus se retourna et vit apparaître la deuxième canonnière. Les derniers tirs de tourelles de défense crépitèrent sur sa coque. Le fouillis de membres arrachés et de cadavres diminuait d'intensité dans la lueur thermique de ses autocenseurs. Leur sang laissait des taches orangées sur les portes et au plafond. Jonction sécurisée, prêta-t-à lui le sergent émérité. 14 secondes. Nemetus activa le VOTS à longue portée. Commandement de vaisseau, ici commandement d'assaut. Il prit une inspiration, refoulant la poussée d'adrénaline qui s'était diffusée dans son corps alors qu'il tuait. Nous sommes à bord. Après avoir commencé une récupération complète des archives de surveillance, Prasamedes patienta pendant que les serviteurs d'Augure accomplissaient leur travail. Ils communiquaient entre eux en grognant tandis que leurs doigts activés mécaniquement frappaient les touches devant eux. Leur marmonnement était entrecoupé de jacassements en binarique, un flot haché d'informations uniquement accessibles aux adeptes du dieu machine et à leurs créatures lobotomisées. Il se dit qu'ils se montraient consciencieux plutôt que paranoïaques. Une petite anomalie dans les relevés de plasma pouvait avoir de multiples significations. L'un des escorteurs en fuite avait peut-être souffert d'une surchauffe de réacteur, ou avait été endommagé dans le champ d'astéroïdes, à moins qu'il ne s'agisse simplement d'une mauvaise gestion de leur moteur. Chacune de ces hypothèses constituait une explication parfaitement acceptable à la poussée des émissions de plasma qui s'était produite quelques minutes après que les renégats eurent atteint le nuage de débris. Mais il aurait pu s'agir aussi d'une signature énergétique indiquant le départ d'un vaisseau plus important. Un bref éclat de réacteur qui aurait ensuite dérivé à travers le champ de débris qui constituait un obstacle pour leur scanner. Prasamedes résista à l'envie de faire part de ses inquiétudes à l'officier de pont. Il était inutile de distraire le Roth sur la base de suspicions infondées. Infondées? À quel moment son expérience transformait-elle son intuition en suspicion raisonnable? Il y avait également une question plus profonde que Prasamedes essayait d'éluder. S'il faisait part de ses préoccupations à son capitaine, comment réagirait Astylus? Un rapide coup d'œil aux icônes sur le vidéolithe l'indiquait que le groupe d'assaut de Nemetus était bien implanté dans le vaisseau ennemi. Les communications VOTS suggéraient qu'il n'avait affaire qu'à une résistance légère. Sa manœuvre visant à éviter un piège potentiel au point d'insertion originel semblait porter ses fruits. Comme il songeait au plan d'action de Nemetus, Prasamedes eut une prise de conscience. Aurait-il dû anticiper ce qu'avait remarqué l'autre lieutenant? La zone d'atterrissage originelle était idéale en tout point. Cela signifiait-il qu'elle était fausse? Il semblait hautement improbable qu'au cours de la bataille, l'ennemi eût l'idée et les moyens de simuler une frappe sur les lourdes portes du quai d'avitaillement dans l'éventualité où il serait abordé. La succession d'événements nécessaires à la réalisation d'un tel plan paraissait au mieux douteuse pour ne pas dire proche de l'absurde. Le cerveau de Prasamedes tournait à toute vitesse, ses capacités cognitives accrues par ses amplificateurs de combat, alors même qu'il n'était pas au cœur du conflit. Bien que cela lui permette d'analyser les données entrantes à la vitesse d'un cogitateur, si elles n'étaient pas canalisées, son hyperstimulation menaçait de créer des schémas inexistants. Les exprimer à haute voix à l'Euroc le forcerait à être plus mesuré dans son analyse. « Oui, lieutenant, » fit l'Euroc en jetant un coup d'œil à l'écran du terminal. « Vous passez à nouveau en revue les retours d'Augur de la bataille ?»« En effet, mais ce n'est pas de cela dont je vais vous parler. Permettez-moi de vous exposer une théorie. »« Oui, lieutenant. » « Hypothèse. » L'ennemi a délibérément créé un site d'atterrissage attractif pour notre groupe d'abordage, annonça Prasamedes. Puis il se dirigea vers une autre console et fit apparaître le schéma du vaisseau ennemi. Conclusion. L'ennemi pensait que cela lui permettrait de contrôler l'itinéraire du groupe d'assaut. C'était l'idée du lieutenant Nemetus, dit le Roc. Une embuscade. Prasamedes répliqua une réplique cinglante, en partie parce qu'il ne voulait pas attirer l'attention de son capitaine, en partie parce qu'il connaissait le Roc depuis des années et qu'il avait appris à respecter son opinion, même quand elle l'a donnée, sans y avoir été invité. Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Mes excuses, non. Excuses acceptées, répondit Prasamedes en examinant de nouveau le schéma du vaisseau. Hypothèse. L'ennemi avait conclu qu'un abordage était inévitable. Conclusion. À un moment donné durant la bataille, le capitaine ennemi a accepté la défaite et s'est focalisé sur le fait de minimiser la menace d'un abordage. Il remarqua que le Roth luttait pour ne pas parler, retenant son souffle pour s'empêcher d'intervenir. Ai-je tort? Demanda Prasamedes. Pourquoi leur capitaine se serait-il attendu à un abordage plutôt qu'à un bombardement visant à les exterminer? Un pari peu probable. Si ce n'est qu'ils se sont très vite retrouvés dans une position désavantageuse du fait des dommages subis par leur réacteur. Prasamedes parcourut en sens inverse les relevés d'augure de l'autre vaisseau comme s'il rembobinait le temps lui-même.
Environ 4 minutes après le début de l'engagement, on voyait un vif éclat de lumière au niveau des pompes du réacteur, suivi d'une perte d'énergie quasi instantanée qui s'était propagée à un grand nombre de systèmes du vaisseau. Ils se sont retrouvés dans l'incapacité de manœuvrer ou de tirer efficacement en raison d'une défaillance énergétique généralisée, reprit-il. Dès lors, ne constituant plus une menace, la probabilité en faveur d'un abordage s'est accrue de manière significative. Conclusion, le capitaine a jugé préférable de se défendre contre un abordage plutôt qu'un bombardement. Le Rock réfléchit quelques secondes, les mains sur les hanches et haussa les épaules. Ça paraît très logique. Je sens une hésitation de votre part. Logique, sans être censé pour autant, lieutenant. Je ne connais pas tous les paramètres en jeu lors d'un abordage, mais il devait y avoir différentes manières de s'y préparer. Mettre en place un leurre pour attirer des assaillants vers un point d'insertion déterminé paraît excessivement complexe. Pourquoi concevoir un subterfuge aussi spécifique? Prasamenes réfléchit à cette question, quand le serviteur principal l'informa en grognant que la collecte rétrospective des données était prête pour l'analyse. Pourquoi, en effet? Le groupe d'assaut était une machine de guerre implacable, qui écrasait toute opposition sans s'arrêter. Les incursors en formaient le fer de lance, les senseurs améliorés de leur armure leur conférant une perception digne des devins des temps anciens. Leurs lentilles Auspex perçaient dans tous les murs, de sorte que l'ennemi pouvait être contourné et pris par surprise. Les forces ennemies situées sur leur flanc se retrouvèrent aussi isolées lors de contre-attaques ciblées menées par les sergents incursors. Les intercesseurs avançaient en tandem à leur suite, les escouades d'appui rapprochées fournissant un tir de couverture aux escouades d'assaut qui tenaient le terrain conquis. Face à toute tentative de contre-attaque, pendant que leurs frères de bataille se rapprochaient, fusils bolteurs au poing. Numétus prit la tête de témérité, tandis qu'Audace se voyait renforcé par la présence du judiciaire Admonus. Le chapelain en devenir était un guerrier impitoyable, tranchant ses ennemis en décrivant de grands moulinets avec son espadon, là où nombre de membres du Réclusium exhortaient leurs frères de bataille par des cris de guerre et des versets issus des enseignements du chapitre, le judiciaire les inspirait par sa seule présence en tuant des impurs, sinistres et silencieux. Mais les prouesses martiales du judiciaire n'étaient pas les seules à être renforcées par son silence volontaire. Être sous le regard d'Admonus incitait Némétius à redoubler d'efforts, conscient que le moindre relâchement de sa part serait remarqué et mentionné plus tard. Plus que toute remontrance verbale, la simple pensée de décevoir un tel guerrier, le moindre soupçon de réticence honteuse, enflammait la combativité du lieutenant. Il était difficile de se montrer digne des louanges du judiciaire face aux menus fretins qui se dressaient sur le chemin du stratégium. Surpris et dispersés, les groupes de renégats se jetaient sur les Space Marines de manière isolée et étaient facilement surclassés. Dans l'espace confiné des corridors et des salles du vaisseau, les armes, l'armure et la vitesse supérieure des guerriers de l'Adeptus Astartes étaient irrésistibles. Même quand les membres du groupe d'assaut pénétrèrent dans le corridor principal qui courait le long de la structure dorsale, ils ne rencontrèrent que peu de résistance organisée. Tout était baigné dans une obscurité rougeâtre à la lueur de hautes lanternes qui se réfléchissaient sur des panneaux couleur sang. Des nuages de vapeur et de gaz s'échappaient de bouches d'aération brisées et de conduites fendues. Peut-être le signe d'une bataille perdue d'avance face à la vétusté du vaisseau. Les guerriers en armure bleue progressaient à travers les ombres et les vapeurs tourbillonnantes, précédés par les bolts qui jaillissaient de leurs armes pour abattre les mutants tapis derrière des piliers ou dans des passages voûtés. En avant! In vita dominus bellicosa! Aucune pitié! Les cris de guerre et les serments des frères de bataille résonnaient au sein des détonations des bolteurs et du rugissement des épées tronçonneuses. L'équipage ennemi tenait ses positions et tirait face à l'avancée implacable des Ultramarines. Leur dévouement eût été digne des doges s'il n'avait été consacré à un but aussi vil. Leurs cris de dévotion aux sombres puissances étaient l'écho déformé des serments chapitraux hurlés par ses frères tandis qu'ils abattaient les renégats à coups d'épée et de bolter. Ils rappelaient à Nemitus les serfs au service du chapitre, des humains non augmentés qui n'en étaient pas moins presque aussi zélés que les Ultramarines eux-mêmes. Les détonations de leurs armes se répercutaient dans la hauteur du plafond, invisibles pour des yeux humains. Cependant, on y entendait un autre bruit, un léger craquement et des respirations susurrées. Nemitus leva les yeux et vit d'étranges formes regroupées sur les poutrelles en plastacier et les arches de soutènement. Ennemi au-dessus! Il fit feu tout en criant son avertissement. La décharge de plasma de son pistolet transperça le corps d'une créature au moment où elle déployait ses ailes de chauve-souris. L'air s'emplit de cris stridents quand les bêtes plongèrent, glissant plutôt que battant de leurs ailes membraneuses, faisant claquer leur bec acéré. Une nuée d'au moins une centaine de créatures s'abattit d'un coup, illuminée par les salves des Ultramarines. Des corps ravagés dégringolèrent au sein de la masse des créatures dans une pluie de gouttelettes écarlates. La horde passa en rase-mode. Des griffes et des becs acérés raclèrent et claquèrent sans résultat contre la céramique. Le bouclier de Némétius flamboya quand il repoussa une créature qui fondait sur lui en piqué, alors qu'il prenait le temps d'échanger son pistolet contre son épée. Cependant, dans la seconde qu'il lui fallut pour lever sa lame, l'essaim s'était déplacé pour assaillir les intercesseurs derrière lui. Prenant soudainement conscience que l'attention de son groupe d'assaut était détournée par la menace en son sein, Némétius cria à ses compagnons autour de lui de se tenir prêts. Bien que cet assaut soit l'occasion idéale pour une contre-attaque, les mutants ne s'aventurèrent pas hors de leur cachette, mais continuèrent à leur tirer maladroitement dessus. Les cris inhumains et le vrombissement des épées tronçonneuses résonnèrent dans l'obscurité brumeuse.
Épée brandie, son armure noire illuminée par l'éclat de sa lame, Admonus s'élança à la tête d'Audace dans une contre-attaque, tranchant et fauchant les créatures ailées qui griffaient et encerclaient ses frères de bataille. En avant! Ordonna Némétius à témérité, pointant sa lame en direction des mutants embusqués. Nos frères nous couvrent! Des salves d'armes automatiques arrachant des étincelles à son bouclier, Némétius ouvrit la voie. Les tirs de munitions solides et des lasers convergèrent et s'intensifièrent alors qu'il remontait le large corridor d'une foulée déterminée. Quelques projectiles passèrent sa défense et ricochèrent son armure, tandis que les détonations des bolteurs claquaient autour de lui. Les tirs de ses frères de bataille étaient comme une lumière directrice, de vives lueurs qui trouvaient par intermittence ces ténèbres devant lui. Les mutants tenaient leur position et mouraient là où ils s'y trouvaient. Leur refus catégorique de battre en retraite n'était peut-être pas la meilleure stratégie, mais témoignait d'un fanatisme rarement rencontré dans le rang des traîtres. L'égoïsme était l'un des chemins qui menait aux sombres puissances. Or, l'équipage du vaisseau ennemi semblait non seulement prêt à mourir pour se mettre impassible, mais peut-être le souhaiter. Fondant sur eux avec sa lame flamboyante, il était heureux de tous en faire des martyrs. Personne ne se souviendrait de leur sacrifice. Abattant une femme au trait câlin, Némétius fit signe à Témérité de s'arrêter, avant qu'ils ne se retrouvent séparés de leur escouade d'intercesseurs d'appui. Le combat contre les créatures volantes s'était transformé en quelques escarmouches éparpillées. La masse des intercesseurs s'était à présent reformée, et ceux-ci dirigeaient à nouveau leurs tirs vers les poches de résistance disséminées le long du corridor et sur les portiques et les mezzanines au-dessus d'eux. 45 secondes après le début de l'attaque des monstres ailés, tous les Space Marines, hormis une poignée, avançaient à nouveau vers leur objectif. Le changement de zone d'atterrissage semblait avoir pris l'ennemi complètement de court. Aux yeux de Némétius, leur adversaire s'était à ce point focalisé sur leur leurre qu'ils étaient incapables de s'adapter avec cohérence au nouvel angle d'attaque des Marines. L'équipage, aussi bien mutant qu'humain, se défendait du mieux qu'il pouvait, mais ne faisait preuve d'aucun effort coordonné pour attirer les Space Marines dans un combat plus long qui ralentirait ou freinerait leur progression jusqu'à l'arrivée de renfort. Accès au stratagème localisé, commandement d'assaut, voici le sergent Lato. Résistance minimale attendue, ennemi dispersé. Bien reçu, frère sergent. Némétius enfonça la pointe de son épée à travers l'armure carapace d'un mutant déguirlandais à trois yeux et remarqua avec dégoût l'humeur jaunâtre qui s'écoula de la blessure. Il décapita la créature d'un revers de lame et repoussa le corps sans vie d'un coup de bouclier avant de passer à l'ennemi suivant. Nous avons constaté une absence significative de figurant de commandement, frère lieutenant, poursuivit Lato. Aucun officier ennemi rencontré, pour autant qu'on puisse en juger. Aucun Astartès renégat à leur tête. Une rafale crépita sur le flanc gauche du lieutenant. Il se retourna pour localiser l'ennemi, mais l'un de ses frères de témérité l'avait trouvé avant lui et transforma la partie supérieure du corps du traître en une bouillie de sang et d'os fracturés. Le mutant s'écroula sur le côté, lâchant son pistolet automatique. Le stratagème est scellé, voici à son tour le sergent Dorion. Il est possible qu'ils aient tous trouvé refuge à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, l'équipage ennemi apparaît toujours déterminé et motivé en dépit d'une absence de commandement direct. Némétius réfléchit un instant à la situation. Il ne savait pas si l'absence d'officier avait une signification précise ou si elle résultait du déplacement des troupes ennemies à la suite de leur embuscade manquée. Un nouveau choix tactique s'offrait à lui. Atteindre le stratagème le plus rapidement possible avec toutes ses escouades ou attaquer plus prudemment en couvrant leurs arrières. Bien qu'elles aient été prises de court par le plan de Némétius, les troupes repositionnées autour du quai d'avitaillement allaient se redéployer. 4 minutes s'étaient écoulées depuis leur incursion. Dans 4 de plus, ces corridors risquaient de grouiller non pas de dizaines mais de centaines voire de milliers d'ennemis. Dans une telle circonstance, ce stratagème pourrait facilement se transformer en mausolée s'il n'y était pas préparé. D'un autre côté, ils étaient ici pour s'emparer de données, non du vaisseau en lui-même. Plus les ultramarines s'attarderaient, plus ils se retrouveraient englués dans des affrontements prolongés. S'ils voulaient maximiser l'impact de son assaut surprise, ils devaient agir de manière décisive. À toutes les escouades, continuez votre avance rapide. Eradi 14, rejoignez la tête de l'assaut et préparez-vous à forcer l'entrée du stratégium. Quelle que soit la manière dont Prazamedes examinait les données, il ne trouvait aucune preuve pour étayer la théorie de Némétius selon laquelle la brèche du quai d'avitaillement avait été créée de toutes pièces. Au stade de la bataille auquel le vaisseau ennemi avait été endommagé, l'unique motif aurait été de les inciter à un abordage afin d'éviter une destruction à distance. Même dans ce cas, il s'agissait d'une déduction ou d'une intuition extraordinaire de la part du commandant ennemi. C'était un pari, mais un pari très spécifique au vu des nombreuses autres stratégies qui s'offraient à eux, comme l'avait suggéré le roc. Lieutenant, cria-t-elle. L'officier de pont s'approcha de Prazamedes avec une tablette de données à la main, visiblement agitée. Prazamedes jeta un coup d'œil à Astyolus pour voir s'il avait réagi à son appel strident. Le capitaine était accaparé par l'assaut en cours et travaillait avec la télémétristica et ses servitors afin de transférer la progression du groupe d'assaut de Némétius sur le vidéolithe principal. Le lieutenant porta son attention sur la simulation qui tournait en boucle dans l'écran, sur l'écran de la tablette de données. Il vit un schéma du vaisseau ennemi parcouru de lignes grises pointillées qui s'étendaient et clignotaient conjointement à l'avancée du marquage temporel. Des taches plus épaisses correspondaient aux réacteurs, aux moteurs et aux ponts d'artillerie. Il comprit alors qu'il regardait une capture de lien du réseau énergétique du croiseur ennemi,
Les zones s'affinaient et s'élargissaient à mesure que l'énergie était réorientée, avant d'être réutilisée par les batteries d'armes et les générateurs de boucliers Void. La majorité des lignes disparurent, pour ne laisser que le vaisseau endommagé et sans défense qui flottait à présent dans le vide à quelques milliers de kilomètres de distance. Une synthèse efficace, mais je ne vois pas ce qu'il y a de si urgent. Il tendit la tablette à l'Euroc, mais elle refusa de la prendre. Observez plus attentivement l'Eurodata, lieutenant. J'ai vérifié avec les archives d'artillerie et nos propres relevés de surveillance. Leurs boucliers Void ont cessé de fonctionner 4 minutes et 7 secondes après que notre premier bombardement. Le capitaine Astylus a concentré les tirs sur la section arrière 5 secondes plus tard, et une seule leçon de tir a été établie 5 minutes et 17 secondes. Prasamenès fut piqué par sa remontrance involontaire, mais la laissa passer. Son état d'agitation et ce manquement temporaire au protocole suggéraient qu'elle avait une bonne raison de se montrer aussi insistante. Il vérifia à nouveau les données sur la tablette. Cela tout semble cohérent, dit-il en repassant la séquence plus lentement. 5 minutes et 30 secondes après le début de l'engagement, le réacteur principal est touché et son alimentation cesse de fonctionner. Oui, mais en tenant compte du délai entre l'ordre de tir et le temps nécessaire à nos munitions de parcourir les 24 000 km qui les séparaient à l'heure de leur cible, les réacteurs ont cessé de fonctionner avant même d'être frappés par nos obus. Les relevés d'obus ont aussi un délai. La marge d'erreur est correcte. Si tous les premiers impacts avaient d'une manière ou d'une autre percé leur blindage et touché directement le réacteur. Ce serait le tir le plus chanceux qui m'ait été donné de voir, admit Prasamenès en regardant de nouveau le minutage de la séquence. Il était à ce point absorbé par la nature de cette révélation qu'il lui fallut plusieurs secondes pour en comprendre la signification. L'ennemi a volontairement désactivé ses réacteurs, dit-il en regardant le roc, afin de limiter le dommage. Cela aurait pu sauver le vaisseau, si les réacteurs avaient été endommagés en étant pleinement opérationnels. C'est une mise en scène, s'exclama le roc. Elle frappa du doigt l'écran de la tablette que tenait Prasamenès et fit apparaître un schéma agrandi des ponts du réacteur. Un panache de chaleur, vraisemblablement de plasma, jaillissait à la verticale de la brèche. Du moins, c'est ce qui leur avait semblé. À présent, en revoyant la scène au ralenti, Prasamenès percevait plus clairement l'enchaînement des événements. Les conduits d'alimentation avaient été coupés au moment où le Vengeance du Tracas avait ouvert le feu, et l'excès de plasma avait été rejeté dans le vide. Pas par mesure de sécurité, mais dans l'intention délibérée de faire croire à une brèche de leur réacteur. S'il s'agissait d'une mise en scène, cela signifie que la ruse concernant les portes du quai d'avitaillement faisait partie d'un plan plus large, dit le Roque. C'est ce que je ne parviens pas à comprendre. Pourquoi prendre le risque d'être détruit dans le seul but de tirer à bord quelques escouades de Space Marines? Capitaine! Prasamenès se détourna, empli d'une crainte soudaine, et se retourna vers elle alors que ses pensées se heurtaient pour former une théorie alarmante. Scan de dur complet sur les traînées de plasma dans le champ de débris, officier Catriolis. Si tout cet engagement est une mise en scène, nous devons partir du principe que sa localisation a elle aussi été prédéterminée. De quoi s'agit-il, Prasamenès? Demanda Astylus. Nemesis sur le point d'entrer dans le stratégium. C'est un moment critique. Il faut les faire sortir, frère capitaine, annonça Prasamenès, renonçant à sa mesure coutumière. Tout cet engagement n'est qu'un piège élaboré.